Coucou les filles, alors je vous retrouve pour commencer donc le challenge des 30 jours avec la première vidéo qui sera basée sur les décos de Noël que j'ai acheté cette année. Je vous explique vite fait pour la petite histoire, on avait descendu toutes nos décos de Noël à la cave avec mon chéri et quand on a voulu les remonter cette année pour, voilà, pour décorer, on n'avait plus que le sapin en fait, on nous avait piqué toutes les décos de Noël, il nous restait une guirlande qui traînait comme ça et une boule encore accrochée et le sac de déco était, s'était envolé, sachant qu'il y a une espèce de moquette, enfin un tissu qui recouvre la porte de la cave, qui a été arraché. Donc le sac était vraiment pas très grand, vous savez les guirlandes c'est vachement facile à compresser, et donc les gens ont pris, voilà, donc je trouve ça tellement puéril et stupide, donc j'ai dû tout racheter. Tant pis, bon, j'en ai trouvé des très jolies, mais bon, cette année, elles resteront à la maison quand on aura terminé. Donc, on a quasiment tout acheté à Carrefour, alors que ce soit Carrefour Market ou Carrefour Normal. Oui. J'ai peut-être acheté une ou deux choses à Monoprix, mais c'est tout. Donc, j'ai acheté à Carrefour, donc pour 4,95€, un lot de boules comme ça. Donc, il y a... Je sais plus, je crois qu'il y en a 16. Alors, il y a des blanches comme ça, avec un effet un peu neige, enfin voilà, vous avez compris. Brillantes, enfin pailletées. Il y a des argentées toutes simples. Il y a celles-là que je trouve juste sublimes. Celles-ci, elles sont magnifiques. Il y a des argentées, effet miroir. Et voilà, il n'y a que ça, enfin, il n'y a que ça, c'est déjà pas mal. Et il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Effectivement, il y en a 16, vous voyez, ça fait un... Ouh, ça fait un bon gros tube. Pour 5€, mon chéri, il a dit, on le prend. Voilà. Si l'homme a parlé, on... Ensuite, je vais vous les montrer tout de suite parce qu'ils se cassent la figure. J'ai acheté du papier cadeau. Alors, du papier cadeau pour les adultes et du papier cadeau pour les enfants. Donc, cette année, j'ai un peu plus d'enfants à qui faire des cadeaux en plus. Donc, c'est du papier cadeau de princesse. Il n'y a quasiment que des filles, sauf mon neveu. Bon, mon neveu, je vais lui acheter une pochette pour lui mettre son cadeau. Mais bon, sachant qu'il aura 5 mois quand ce sera Noël, je pense qu'il s'en fichera un peu. Donc, j'ai acheté, oui parce qu'il y avait la prise aussi dans le sac, alors évidemment, donc une prise pour mettre toutes les guirlandes lumineuses du sapin, parce que moi je suis une fana de guirlandes lumineuses. Ici on a toutes les boules et les machins, donc toujours chez Carrefour, j'ai acheté deux petites boules comme ça pour 1,50€. Donc ils sont un peu à effet papier d'alu, je trouve. Elles sont très jolies. Puis pour 1,50€. Ensuite, chez Carrefour, j'ai acheté celle-ci qui est trop trop belle. Celle-là, je l'ai payée 7,90€. Oui, 7,90€. Mais elle est sublime. Avec le nounours, la petite guirlande et les petits zigouigouis. Elle est vraiment trop trop belle, celle-là. Je me suis baladée avec dans le magasin. En fait, j'hésitais. Puis pouf, quand mon homme avait le dos tourné, j'ai mis dans le cabinet. Ensuite, non, ça c'est après. J'ai acheté deux petits cœurs comme ça qui étaient à 99 centimes. Donc voilà, on va pas se priver. Donc il y en a un rouge et un blanc. Je vais essayer de les déballer parce que je crois qu'il y a un nœud. Oui, voilà. Donc il y a un nœud. Il faudra que j'essaye de le coincer pour qu'il tienne. Il y a un joli petit nœud sur le devant. Ils sont jolis en plus. Ils sont un peu, je sais pas, j'aime bien. Voilà, le même en blanc, donc pour 99 centimes, hein. On va pas faire... voilà. Laquelle j'ai acheté à Carrefour? J'ai acheté celle-ci... Non, pas toi, toi je t'ai pas acheté à Carrefour. Allez. J'ai acheté celle-ci à Carrefour, que j'ai payé 4€, enfin 3,99€. Donc c'est une grosse boule transparente avec un oiseau dedans. Donc ça, franchement, honnêtement, ça vous pouvez le faire vous-même. Vous achetez une boule transparente toute simple que vous pouvez ouvrir... vous dessinez des machins à la colle paillette, colle pailletée, coller des bidules comme ça, là, et mettez un petit animal dedans ou ce que vous voulez, un petit Père Noël,
et voilà, et c'est vachement simple. Mais bon, voilà, moi j'ai décidé de l'acheter. Celle-ci, je l'ai achetée chez Carrefour Market. Je l'ai payée 2,99€. Donc elle aussi, elle est super belle. Donc ça, c'est une boule en polystyrène. Donc c'est pareil, ça c'est faisable soi-même. Ça donnera peut-être pas ce résultat, mais bon. C'est faisable soi-même. Ensuite, les trois dernières, je les ai achetées chez Monoprix. Donc je l'ai acheté ces deux-là. Qui sont roses. Vous les voyez, roses flashy. Bon, c'est vrai qu'elles sont vachement roses. Ah, les bonnes boucles d'oreilles. Voilà, je sais plus le prix, hein. Il n'est pas marqué sur les trucs Monoprix. Ah si, 1,90€. Et j'ai acheté celle-ci. Qui est très très jolie aussi. Et que j'ai payé 1,50€. Donc voilà, les boules Monoprix. Ah, pardon, j'ai acheté la même en blanc aussi. J'aime beaucoup ce genre de boule qui fait un peu neige, pailletée comme ça. Je trouve ça tellement joli. Donc voilà, mon sapin sera refait avec toutes ces boules, surtout celle-là, elle est trop belle. J'ai intérêt de la mettre bien en haut parce que j'ai des chats acrobates, un peu comme la plupart des chats, hein. Voilà. Ensuite, ce sont des guirlandes. Des guirlandes simples parce que voilà, on nous a piqué toutes nos guirlandes et nos boules, mais les guirlandes lumineuses étaient restées à la maison. Il était hors de question que je les mette dans la cave, l'humidité, le machin, le truc. Mais voilà, les guirlandes toutes simples. Voilà, donc je n'ai pas racheté de guirlandes lumineuses. Alors, chez Carrefour, on avait une offre. C'était, je sais plus, 3 achetées, une gratuite. Donc à la base, elles sont à 2€. Vous en achetez 3. Vous en avez une gratuite. Enfin, vous en achetez 2, vous en avez une gratuite. Et donc, il y en a une blanche. Elles sont vraiment toutes simples, hein. Elles ne sont pas brillantes, rien du tout. Une argentée et une dorée. Voilà, elles sont plutôt bien touffues et elles sont pas mal. Elles font 2 mètres, donc voilà, il y a de quoi faire. Ensuite, celle-ci que j'ai achetée chez Carrefour Market. Alors celle-ci, je l'ai payée au moins 4 ou 5€, je crois. Mais je la trouvais tellement jolie. Voilà, par contre, j'ai enlevé l'étiquette. Ensuite, celle-ci, c'était pareil. C'est une offre, en fait. C'était deux achetées, une gratuite. Donc, on a une blanche comme la première. Hop. Allez, poussez-vous. Il y en a une jolie blanche comme ça. Et une rouge toute simple. Voilà. Il y en a partout. J'ai acheté un protège-prise pour mettre à l'extérieur parce qu'on a un machin qu'on peut accrocher sur le balcon. Donc j'ai acheté cette petite chose pour protéger les prises. Et ça, alors ça, ce sont des petites fleurs qu'on peut accrocher dans le sapin. Après, je pense que vous pouvez mettre ça un peu n'importe où. Je pense avec un peu de pâte à fixe ou quoi. Vous mettez ça sur le mur ou quoi, vous enfoncez le bazar là et puis hop, ça y va bien. Donc voilà pour toutes, pardon, voilà pour toutes les décos de Noël. On n'en a pas eu pour, franchement, on n'en a pas eu pour trop cher. D'habitude, on les prend à Jiffy, mais là, j'avais envie de prendre des guirlandes. Et puis il y avait pas mal d'offres, donc du coup, je me suis dit, allez hop, on les prend ici. On a été acheter les cadeaux, donc on a acheté les décos avec. Mais je vous avouerai que j'avais un petit peu les boules d'être obligée de racheter toutes les décos. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est à peine la moitié de ce qu'on avait avant, en fait. Ouais. C'est grâce aux boules, on a réussi, grâce au grand pack des boules, on a réussi à rattraper. Mais honnêtement, là, ce que j'ai, c'est à peine, ouais, c'est la moitié de ce qu'on avait avant, quoi. Et on avait plein de petits sujets, des petits pains d'épices, des petits machins, et franchement je les ai là, quoi. Et j'avais mon étoile aussi, et du coup j'ai plus d'étoile, et il va falloir que j'en rachète une, parce que moi, un sapin sans étoile, et ben c'est pas un sapin. Voilà, j'ai toujours mis l'étoile sur le haut du sapin. Donc moi, un sapin sans étoile, c'est pas un sapin. Donc voilà pour la première vidéo. En fait, j'essaye d'aller rapidement, de faire les vidéos rapides et concrètes pour pas avoir trop de montage, en fait. Voilà, oui, je suis une flemmarde. Voilà. Si je veux pouvoir faire
au moins 24 vidéos, il faut que ça fuse et que ça aille vite. Donc je pense ne pas avoir trop de montage à faire sur celle-ci. Je pense pas. Donc voilà, tant mieux. Donc je vais tout de suite, je pense, vous tourner la prochaine vidéo, parce qu'il faut que je la tourne tout de suite pour ensuite ranger les objets, parce que bah, vous allez comprendre pourquoi quand je vous aurai montré ce que c'est. Donc je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo qui sera postée le deuxième jour. Bye bye.